Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, vous le voyez ici, sur Sol Seraph. Alors Sol Seraph, qu'est-ce que c'est? Je vous vois venir. C'est quoi Sol Seraph? On n'a jamais entendu parler de ce jeu. Sol Seraph, c'est le nouveau jeu de la Ace Team. Alors la Ace Team, pour ceux qui ne savent pas, c'est notamment Rock of Age, Xenoclash, Abyss Odyssey, des bons titres en l'occurrence, notamment Xenoclash que j'avais vraiment apprécié à l'époque. Donc très très bien. Celui-ci est édité par Sega. Il est sorti le 10 juillet sur toutes les plateformes. Hein. PS4, Xbox One, PC, Switch. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Par contre, c'est que en digital. Voilà, faut le savoir. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu? Pourquoi j'en fais une vidéo aujourd'hui? Parce qu'apparemment, ce serait une suite spirituelle à Actraiser. Alors Actraiser, pour ceux qui ne savent pas, c'était un mélange, alors c'est difficile à expliquer, mais un peu entre un SimCity-like, oh, attention, hein, c'est des grandes pincettes, mais avec des grands guillemets plutôt. Mais voilà, c'était un mélange entre un SimCity-like et un jeu d'action, en fait, action-aventure, plutôt sympathique, vous allez voir. Et bah là, on est sur Sol Seraph, et apparemment c'est le même, mais en plus moderne, donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, faire comme ceci. On fait ça, voilà, parce que OBS, il est pas très très copain avec le jeu. Voilà, on va pas se le cacher, hop, on va se mettre en facecam. On est bien là, non? Ouais, on est bien. Donc je ne sais plus, j'ai plus d'aperçu, je ne sais plus ce que je filme. Mais, donc ça c'est parce que j'ai foiré ma vidéo d'avant, parce que justement OBS n'est pas très copain avec le jeu. Il faut que je désactive l'aperçu, etc. Enfin bref, ça c'est la petite popote, hein, c'est le petit truc... Le petit truc d'Okrad, du coup, en désactivant l'aperçu, ça ne rame plus, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, c'est ça quand on a un écran 144Hz, OBS, il est pas copain. Alors, je vous laisse la petite cinématique et on se retrouve tout de suite. Very well. Close your eyes, and I will tell you the first of all stories. In the beginning, there was only chaos, as far as the eye could see. Until one day, Sky Father and Earth Mother drove the chaos away and made the world. They made the stars and the sun and the water. And then they made plants and animals. And finally, their favorite creation, humankind. When they were done, Sky Father and Earth Mother left the world so it could grow freely on its own. But the younger gods were arrogant. They resented humans because humans had been granted the gift of storytelling, the gift of memory. So they tormented humankind with fires, storms, and floods, until all the tribes were scattered across the land, struggling for survival. But Helios, Knight of Dawn, the child of God and man, came. Et nous voici donc sur le jeu. Voilà, petite cinématique plutôt sympathique. On va pas se le cacher. Alors, boum, on arrive ici. Donc, voilà, on contrôle ce petit monsieur. Hein. Vous voyez, hop, plusieurs types d'attaques. Attaque à distance, mais vous voyez que ça baisse en bas. Hein, pour le niveau des flèches, esquive. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu hein, tout ce qu'il y a. Là, c'est pour se protéger, très bien. Bon, bah, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est la partie action du jeu. On n'a pas encore vu la partie... God Game, SimCity-like. Alors, meurs. Meurs, sale bête. Oula. Dégage. Donc ça consomme de la mana, hein, vous voyez. Hop. Dégage le gobelin. Qu'est-ce qu'ils sont moches, ces gobelins. Donc voilà, comme je vous le disais, le jeu... Oula. Waouh, waouh, waouh. On va essayer de pas mourir, ce serait cool. Boum. Donc, le jeu tourne sous Unreal Engine 4 et il est dispo sur toutes les plateformes. Ah, on peut faire du double jump. Alors là, je me fais bien défoncer pour le moment. Waouh. Oh purée. Ah oui, c'est vrai, j'ai le bouclier. Faut que je m'en rappelle, hop, voilà. Faut que je m'en rappelle, bien, Okrad. Bien, toi parler bien, ch'ti, c'est bien.
Hop. Ah, un petit peu de mana. Voilà. Bah, c'est pas moche, hein. Ah. Oh, purée. Oh, purée, mais je me fais déboîter, là. Ah, c'est bon, j'ai chargé mon attaque. Voilà, ok, j'ai compris. Je l'ai bloqué là, c'est cool. Ça commence bien. Ah merde. Ok, c'est bon. Bon, j'ai été particulièrement mauvais, on va pas se le cacher. Je vais juste vous montrer comme ça, un petit peu, sans rien du tout. Le jeu sans ma tronche. Voilà, on récupère un petit peu de vie. Alors, je sais pas si je peux aller dans l'eau. Bon, bah, je peux aller dans l'eau. Ah merde, par contre, je peux pas nager. Ça veut dire là, tu coules quoi. Attention, piranha. Tac. Ah ouais, mais là, ouais. Ça va être embêtant ça. Ah merde. Ça commence bien. Donc, je suis particulièrement mauvais. Ok. Il brise ma garde quand même. Là, je récupère un peu de vie. J'ai bien fait d'aller dans le fond de la caverne. Mais le jeu est plutôt beau, hein. C'est cool, du coup. Alors là, il n'y a rien. Tac. Ok. Alors, c'est le temps de prendre le jeu en main, évidemment. Oh. Ok, de la mana. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est une méduse, j'ai vu, mais je m'attendais pas. Alors. Là, c'est bon. Yeah. Ok. Alors là, il y a un peu de vie. Ça peut sauter, ça? Ah ouais, ça peut sauter, dis donc. Merde. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Ta-da-da. Dégage. Ta-da-da. Oh, je l'avais pas vu, avec l'herbe. Ah, mais en même temps, mec, t'es couleur herbe. Oh. Bon, bah là, je vais crever. Hein. C'est bien, dès le premier niveau, pour un gameplay découverte, c'est pas mal. C'est une performance ocradienne, je pense qu'on peut le dire. Non, là, je vais récupérer un peu de vie, ça va faire du bien. Ouais, enfin. Vite fait. Voilà. Ah. Ok, ouais, ouais. Ah, ta, ta, ta. Oh, je l'esquive tout juste, là. Oh, putain, 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 putain. Mais quel con, mais quel con. J'ai été me jeter dessus. Bon, on va retri. Ça va, heureusement, j'avais atteint le point de sauvegarde. Ok, celui-là, c'est bon. Ça dégage. Ça, ça dégage. Non, c'est pas ça que je voulais faire, purée. Ok. Je l'ai pas vu venir. Alors, je suis particulièrement mauvais, ça fait plaisir. Voilà, c'est... Là, c'est bon. Ça, ça dégage. J'ai plus beaucoup de flèches, donc va falloir que je fasse gaffe. Ah, on peut... Ah oui, d'accord. Ça, c'est bon à savoir. Ah, de la vie. De la vie. Bon, ça, ça sent le boss. Ou pas, d'ailleurs. Si, ça sent le boss. Ah, purée. Ok, je voulais passer de l'autre côté. C'est exactement ce que je voulais faire, mais en mieux. Bon, ça va. Ah, c'est bon, j'ai réussi. J'ai été particulièrement merdique, mais j'ai réussi. Voilà, pour l'instant, ça va. Après, il faut dire que ActRaiser, à l'époque, était quand même vachement compliqué. Donc, bah, ça me paraîtrait logique que ce soit à peu près la même chose.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Je mets mon petit Zozio. Ah, ok. On doit aller dans le nord. Ça tombe bien. Je suis de Lille. Parfait. Ah. Ok. As-tu prié? Oui. Non, pas vraiment. Ok, ok. Bon. Je vais vous passer l'histoire. Ça sert à rien de se casser la tête pour l'instant. On va essayer de voir un maximum du jeu. Ok. Alors, building commande. Basic building. House. On va créer une maison. Tac. Donc, vous voyez, c'est toujours... Ouais, donc, c'est bien ça. Hein. Hop, deuxième maison. Bon, les dessins sont pas ouf. Je vous avoue que je suis pas fan. Le jeu en lui-même est plutôt cool. Ok. Power. Rain. Tac. Ok, donc maintenant que j'ai fertilisé le terrain, comme fertiligène, on va pouvoir construire une ferme. Alors, ok. Bon, j'ai pas assez fertilisé, visiblement. Merde. Power, rain. Ok, là, ça devrait le faire. Ferme. Nickel. Donc là, il me faut quelqu'un pour travailler là. Nickel. Vu que j'ai construit deux maisons. Ok. On peut construire donc des routes. Là, on a des routes, donc. Ok. On va le faire tout le tour. Bon, elles sont pas terribles pour l'instant, les routes. Voilà. Donc, en théorie, maintenant, on peut étendre. Voilà, par exemple. Là, faut que je mette du monde qui travaille ici. Oui, c'est pas mal, hein. Bon petit système. Bon petit système de gestion. Oh, voilà l'histoire. Ok. Maintenant, on va faire une sorte de tower défense, en fait. Pour défendre bah, la ville, tout simplement. Tac. Et tac. Et ici. Hein. J'ai plus vraiment de place là. Ah si, c'est bon. Nickel. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, il m'en manque un. Je vais devoir reconstruire une maison, parce que là, j'ai plus assez de personnel. Mince. Ah, j'ai plus de bois. Eh oui, forcément. Est-ce qu'il faut que les autres ramènent du bois? Bon, bah, on va commencer la vague, on verra bien. Et là, il y a les vilains pas beaux qui arrivent. Vous voyez, ils arrivent ici. Bon, je pense que le village sera capable de se défendre. Il n'y a pas trop de problèmes.
J'ai quand même mis deux trucs ici. Ça devrait le faire. Ouais, ça va. Ça se défend. Allez. Et tuez-le, bon sang. Voilà. Parfait. On va construire un petit peu de route. Ah! Il me faut des autres trucs. Des tours d'archer. Sauf que là, j'ai plus vraiment de place. Je vais voir si je peux. Si je peux construire en faisant ça. Mais c'est pas certain. Ah. Là, je suis bien embêté. Ok, on va faire ça. Tour d'archer ici. Voilà, ce sera plus efficace. Et du coup ici, je peux en claquer. Parfait. Bon, on va essayer. Parce que forcément, sans les archers, bah tout ce qui est volant, ça passera pas. Donc là, on a une tour d'archer qui va shooter ce qui arrive. Ça va être un petit peu compliqué au début. Allez, bim, bim, bim. On y va, les gars, on attaque. Ah, eux aussi, ils ont des archers. Il va falloir vraiment que j'ai plus de défense, parce que là, on est quand même mal barré. Nickel. Bon, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Voilà. On y est. Alors, il y a toujours des vagues et des vagues et des vagues. Hein. Vous voyez que ça... Alors, temple. Alors, comment on fait ? Ouais. Temple dispel the dark cloud protecting. Ah. Ah, ça marche pas. Ils disent de le construire dans le village. Après, ils disent de construire au niveau des. Juste derrière les nuages. Mais. Ouais, ça veut pas. Hein. Alors là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Comment je fais pour mettre cette merde? Bon, bah, je ne sais pas. Je ne sais point. Bah, si vous le savez, dans les commentaires, dites-le. Hein, parce que là, j'avoue que j'ai pas compris. Bon, là, on va se faire déboîter, hein, à mon avis. Ça pue un peu. Voilà, j'ai un soldat de mort. Choc aux manches. Puis eux, là, ils sont tranquilles. Ah! Alors ça, c'est embêtant. Quand on commence à se faire déboîter comme ça, c'est pas très bon. Bon, j'ai pas compris, hein, ce système-là. Il me faudrait vraiment deux trucs d'archer, là. Ah, là, ça va arriver dans le sud. Bon. Bon, 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 bon. Mais j'ai vraiment un problème avec ce truc-là. Build. Là où c'est vert, je peux pas. Ouais, je peux le construire nulle part. C'est bizarre, hein. Partout où c'est vert, je peux pas le construire. Bizarre, bizarre, bizarre. À mon avis, j'ai dû louper quelque chose.
J'ai dû louper un épisode, mais c'est pas grave. Ok. Et pourtant j'ai plein d'âme, mais je peux pas construire. Je comprends pas un truc. Ouais non, là je ne vois pas. Ah ouais, mais non, mais il se fout de ma gueule en fait. Bon bah là on est dans la merde. Je vous cache pas. Alors est-ce que j'en... Ouais, j'en ai un de mort là. Hop, on va désassigner un de là pour aller ailleurs. Et sinon on est mort. Oh aïe 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 aïe. On est mal barré. On est très très mal barré. Vous voyez un peu le système du jeu. Après je suis pas là pour vous faire un gameplay de pro. Surtout que c'est vraiment... vraiment pas le type de jeu sur lequel je suis le plus à l'aise, je vous le dis tout de suite. Mais je voulais vous le présenter, parce que je pense que ça peut être le genre de jeu qui est très intéressant, surtout pour les gens qui adorent ce type de jeu. Mais je suis vraiment loin d'être un expert, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est pas du tout ma spécialité. Alors là, ça devrait le faire, on est quand même pas mal de soldats. Qu'est-ce qu'ils attendent là? Allez les gars! En haut, ça se débrouille à peu près. Allez, déboîtez-le. Le deuxième. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Ça se passe. C'est pas dingue, mais ça va. Quoi, mais il y a combien de vagues? Ah. C'est peut-être là qu'il faut le mettre, ce truc. Bah non. Là, franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ils disent que c'est mieux de le placer au niveau des nuages noirs. Ah, attends. Si je fais ça. Non. C'est pas ça, c'est ça. Bon, je comprends pas. Est-ce que je peux les taper, moi? Non, ça leur fait que dalle. Ah, si, si. Ah, bah, je peux agir aussi, ça va, c'est cool. Fallait me le dire avant. Depuis tout à l'heure, je les regarde, mais... Si je peux agir aussi... Ah oui, mais par contre, ça me vide une barre d'énergie. Ouais, ok. Ok. Ok, c'est bon. J'ai pu agir. Ça devrait le faire. Ok, là j'ai plus d'énergie, je peux plus le faire. Ouais, là je ne peux plus le faire. Je suis embêté avec ce truc. Pourquoi je peux pas le construire, purée? Mouais. Bon, ça je ne comprends pas. Dites-moi dans les commentaires, bah, si vous avez le jeu, comment vous avez fait avec ce truc-là, parce que je ne comprends pas. Je ne vois vraiment pas où je dois le construire. C'est assez bizarre. Ah ouais, ouais, là je suis dans la merde, parce que j'ai pas d'archer. Ah ouais. C'est embêtant. Pas de truc d'archer, et je peux pas en construire là. Alors toi... Power... lightning... Ça a absolument pas marché. C'est n'importe quoi. C'est pas évident, hein. C'est pas facile du tout, hein, je vous le dis. Puis ça, je peux pas le construire, ça me casse les... Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas d'où ça vient, ce truc-là. Pourquoi je ne peux pas le construire? Ouais, c'est très très bizarre. Je peux le construire nulle part. Hmm.
Alors, est-ce que je peux reconstruire une maison quelque part? Bah ouais, j'ai plus de bois. Puis eux, ils bossent pas non plus, là. Voilà. Et si j'en mets 3, est-ce qu'ils vont retourner bosser? Ah, je peux faire des nouveaux pièges. Ah bah dis donc. Ah mais j'ai plus de bois, mais pourquoi ils bossent pas? Ils foutent rien. C'est horrible. Bah ouais. Ça tout coûte du bois. Ok, faut construire des routes en fait. Ça, ça coûte rien. Et du coup, une fois que t'as tes routes, tu peux aller un petit peu ailleurs. Ouais, voilà, ça étend bien le truc, quoi. Alors, pas sûr que ça m'aide au final, hein. Ok, donc maintenant, si je fais ça... Il se fout de ma gueule. Maintenant, ça coûte du bois, ce machin-là. Mais tout coûte du bois, c'est quoi ce bordel? Ah, j'ai mal géré un truc, hein. J'ai très très mal géré un truc. Là, je vais me faire déboîter, c'est sûr. Remove building. Tac. Basic building. Tac. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait le bon. Quel boulet. C'est pas une house que je voulais, c'était un lumber machin. Oh là là. Ah. C'est à construire sur un truc. Un truc fertile. Alors. Tac. Ok. Et là, on est dans le brin. Je suis très très mauvais. C'est horrible. Je suis en train de vous offrir un gameplay des plus pourris. Tac. Bon bah, je suis dans le brin. Là, je suis très mal. Là. Bon, les mecs sont en train de couper du bois. Ça y est, ils se bougent un peu le trou de ballon. Tac. Ok. Du coup, on fait ça. Ça. On fait un ici. Voilà. On assigne 2 mecs. Tac. Ah. Voilà. Vous avez vu ce qu'il fallait pas faire. C'est la partie que je viens de faire. C'est pas évident du tout. Mais alors, du tout. Ok. Bon, là, ça me remet où, alors? Je vois. Hop. Remove building. Tac. Ici, on va faire basic building. Tac, ici. Tac, tac, tac. On construit là. En construisant là, on en assigne 3. Ensuite, combien de bois il me reste? J'en sais rien. Alors, ça. Pourquoi il n'y a personne qui va... Ah si, ça y est, ils sont là, mes bûcherons. Ok. Je vais construire une maison. Ah, j'ai plus de bois. Purée. Parce que là, il me faudrait... Ah oui, ok. Remove. Bam. On va construire un truc de défense. On va essayer de mieux s'équiper. Oh, ça coûte 15 quand même. Hein. C'est assez cher. Allez, coupez-moi du bois, là. Faites pas les flemmards. Voilà. Ça, c'est bien. Mettre une autre tour d'archer. Parce que là, on a pris quand même sur cher. Et du coup, il me faut une autre maison.
House, voilà. Ça, c'est très bien. Donc là, ça coupe du bois. Il y en a encore ici du bois. Donc je vais faire des routes. Vite. Le plus vite sera le mieux. Ok, basic building. Tac. Allez, 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 allez. Nickel. Comme ça, plus j'ai de bois, plus je vais pouvoir construire. Défense building, on va faire ça. On va se protéger ici également. Voilà, là ça bosse. On reprend les choses en main. Quand tu comprends, tu commences un petit peu à comprendre le système du jeu, ça va. Alors problème là, c'est que j'ai vraiment pas assez d'archers du tout. Va vraiment falloir que j'en fasse un autre. Défense building. Archer. Ici. Bam. Là, ça devrait le faire. On commence à avoir des protections. Alors ça, ça les touche pas, eux, malheureusement. Là, j'ai mes archers. Là, il m'en manque un. Parce qu'il fout. Ah. Alors, s'embêtant. Là, j'en ai toujours qu'un aussi. Ah, j'ai pu... Ok. Je suis en train de parler tout seul depuis tout à l'heure en mode... Ok, ça, c'est bon. Ah, d'accord. Ah ouais, je vois. Du coup, basic building, une maison. Ici, ce sera très bien. Tac. J'ai du personnel. Très bien. Alors là, il y a un gros pabot. C'est un peu plus chaud. Hein. Mais non! Alors attendez, on va faire power, on va faire lightning. Ah, ça lui enlève pas des masses, hein! Voilà, c'est bon. Je fais un peu ce que je peux pour le moment. Ça reste quand même pas forcément évident comme jeu. Hein. Et ça, j'ai toujours pas compris. Ça, je pense que je ne comprendrai pas tout de suite. Hein. Pas gagné. Alors, des routes. Ouais, ouais, allez. Hop. Ok, et là, si je mets ça... Allez! Voilà. Bon, je sais toujours pas à quoi ça sert, hein, ce machin, mais... on va assigner une personne là-bas. On verra bien, dans l'absolu. Alors, eux, ils ne branlent plus rien, donc... Je retire la ferme. Tac, et je vais en reconstruire une autre. Quand ils foutent plus rien, ça ne sert à rien. Allez les gars, allez bosser un petit peu. Voilà. Ah. On y arrive. J'ai le ciel clair. Et maintenant, moi, je peux attaquer. Voilà, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Ah, je vais tout utiliser. Je vais tout utiliser, j'en ai rien à cirer. Ok. C'est tout? Ok, ok. Il y en a de plus en plus qui vont arriver, je crois. Non, ça va. Mana upgrade.
c'est pas mal. C'est pas mal hein, comme système de jeu, c'est juste que c'est très stratégique. C'est vraiment typiquement le genre de jeu que je vois bien sur Nintendo Switch. Très clairement. Voilà. Je pense que ça, sur Switch, ça passe, mais super bien. Vous allez faire de la gestion, si vous aimez ça, c'est cool. Vous allez faire de l'action, si vous aimez les deux styles, c'est super cool. Par contre, si vous aimez ni l'un ni l'autre, abandonnez. Ça sert à rien. Moi, je suis vraiment très mauvais à ce type de jeu. En tout cas, les jeux de tower defense, je suis une bite en bois. Je suis très mauvais, donc forcément, c'est peut-être pas le jeu qui m'était le plus destiné. Mais par contre, je pense que je vais le continuer parce qu'il est vraiment cool quand même. Enfin, il est plutôt sympa pour le moment. Ici, il y en a un autre à prendre, donc il va falloir faire des routes, construire, etc. Il va falloir s'étendre, en fait, hein, tout simplement. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe du jeu. Il n'y a pas à tergiverser pendant 100 000 ans. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va se remettre en facecam. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, c'était Théocrade, et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, commentaire, ça encourage la chaîne et ça m'encourage également. Ciao ciao, à la prochaine, peace.